Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Salam alaikum, bienvenue, c'est parti pour le LGF, le Grand Forum, jusqu'à 18h30, en ce 44e jour de confinement et 6e jour de Ramadan. Bonsoir, bienvenue une nouvelle fois, ravi de vous retrouver avec une émission qui va être assez mouvementée, comme on les aime finalement. Avec pour m'accompagner ce soir, Samia Chiki. Bonsoir Samia. Bonsoir Christophe, bonsoir chères auditrices et auditeurs, et puis ceux qui nous suivent sur le live Facebook, bonsoir à tous. Alors Samia, dis-moi, il paraît qu'il va y avoir un quiz à 18h, est-ce que tu peux nous plus? On a envie de gâter ceux qui nous suivent depuis le début du confinement, et puis vu que c'est la période du Ramadan, donc on va faire un petit quiz sur cette thématique-là, donc on va tester un petit peu votre niveau. Et puis à la clé, il y aura un cadeau et on fera ça tous les mercredis. Super. Et ça se passera avec ceux qui sont connectés sur Facebook? Oui, de préférence, oui, ça sera plus facile pour nous de gérer ça. Donc les réponses, il suffira de saisir les réponses en commentaire. Voilà. On pourra les aider éventuellement? Ah non, sinon il faut partager le cadeau en deux. Donc Moi je l'offre, moi je suis généreux. Je suis prof, commence pas à tricher, hein. D'accord, okay, ça marche. D'ailleurs, puisque t'es prof, on va en parler dans un instant, le retour à l'école qui continue de... Vous savez que la FCPE a demandé aux parents de ne pas envoyer leurs élèves, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Oui. On en reparlera dans un instant. Céline Bowie, comment ça va, Céline? Bonsoir à tous, oui, ça va très bien. Bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Écoute, tout va très bien. Ouais, t'as pas une tête de quelqu'un qui fait le Ramadan, toi? Ah ouais? Ah ouais? C'est pas, t'as l'air bien en forme. Écoute, ça va. Je me suis adaptée. Et pourtant, je jeûne, mais je me suis adaptée. Oui, très bien. Alors, Céline, on recevra dans quelques instants un invité, Stéphane Flocaris. Qui est Stéphane Flocaris? C'est un prof de philosophie et auteur. Mais on ne l'a pas invité pour ça, Céline. On l'a invité pour quoi, d'ailleurs? Tout à fait. Stéphane Flocaris est un enseignant. Il enseigne dans un lycée, donc un prof de philo. Il enseigne dans un lycée du 94, mais également à l'INSEP. Et parmi ses anciens élèves, il y a une très belle initiative qui vient de voir le jour, qui s'appelle COVED, et qui est une plateforme qui vise à la mise en relation d'étudiants issus des grandes écoles avec des élèves à partir de la 6e jusqu'à la terminale. Qui souhaite bénéficier de soutien d'aide aux devoirs en ligne et gratuit, en fait. Et l'idée, c'est en fait de mettre en relation ces étudiants et ces élèves pour leur permettre aussi de viser l'excellence. Enfin. Très bien, parfait. Rendez-vous tout à l'heure. Ça va plaire à Samia, ça. Samia, d'ailleurs, notamment par rapport à ça. Très enthousiaste. Bah oui. Emmanuel Miquel, au milieu de ce harem de femmes. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir à tous et à tous. Et l'auditeur et l'auditrice de France Maghreb 2. Ravi de te retrouver, mon cher Emmanuel. Et notre ami pour Yaki, évidemment, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Comment ça va, mon Fifi? J'ai vu qu'il y avait des commentaires très favorables à ton encontre sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, hier, j'ai vu Fifi, la classe, Fifi. Franchement, c'est le meilleur. Dans les commentaires, incroyable, hein. Il y a des gens. Moi, j'ai remarqué que c'est depuis ta sortie à Barbès. Ah oui, c'est vrai. Belleville. Le lendemain, on a remis ça. Tellement qu'on est. Mais c'était plus sympa à Belleville. Franchement, c'était plus sympa. C'était sympa à Barbès. T'es rentré dans les boucheries et tout. Ah oui. Non, c'était sur ce côté-là, sur ce côté accueillant. Barbès et Belleville, j'étais franchement superbement accueilli. J'ai été invité, je crois, une vingtaine de fois à faire la rupture du jeûne, y compris par des gens qui n'avaient pas grand-chose. Ça m'a vraiment touché. Mais je parle en termes de force de l'ordre, en termes de convivialité avec les forces de l'ordre. Ils étaient plus sympas à Belleville qu'à Barbès. D'accord. C'est la disco soupe qui les a énervés, sûrement. Bon, merci d'être avec nous en direct. Et encore, sois la bienvenue, mon Fifi. Sois les bienvenus au 01 40 33 9000 pour intervenir, évidemment. N'hésitez pas. Justement, Christophe, un petit message de Caroline De Haas, nous toutes. Tu pourrais supprimer le mot harem de ton discours, ça ferait moins. Voilà, c'est ça. C'est tout de suite. Merci beaucoup, Caroline. Très bien. Les féministes ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui, ça va. 01 40 33 9000, si vous voulez nous appeler, bien sûr, n'hésitez pas pour commenter l'actualité avec nous. Commentez aussi en live sur France Maghreb 2, Facebook, sur Christophe Le Grand Forum.
Facebook également. On va commencer par notre zapping. Alors, vous savez, hier, Édouard Philippe, le Premier ministre, s'est exprimé. Il a présenté le plan, la stratégie. Justement, la question du jour qu'on vous pose, est-ce qu'il vous a convaincu la stratégie de notre, du Premier ministre Édouard Philippe hier pendant une heure à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'elle vous a convaincu cette stratégie? Qu'avez-vous répondu sur Twitter, le grand forum FM2? C'est la question donc, que l'on vous pose sur Twitter. Quelle est la tendance, mon cher Fifi? La tendance est à 75,8% pour le non. Ah ouais? Ouais. Quand même. Ouais, quand même. Quand vous avez même été convaincu, Céline Boury, convaincu par Blanquer hier? Par Édouard Philippe, pardon? Difficile d'être convaincu dans le sens où on n'a pas eu vraiment d'annonce, puisqu'en gros, moi j'ai compris, rendez-vous le 7 mai et Inch'Allah, on va voir ce qui va se passer. Donc convaincu, non, mais comme je ne le suis pas depuis le début de cette crise par rapport à la gestion de notre gouvernement, pas convaincu du tout. D'accord, donc pas convaincu. Dites-nous aussi en nous appelant 01 40 33 9000, est-ce que vous avez été convaincu par le long discours, moi que j'ai trouvé assez clair quand même, d'Edouard Philippe. Il a répondu aux questions en disant que pour l'instant, il n'y avait pas de certitude. Et d'ailleurs, ce matin, on se réveille avec une nouvelle maladie, la Kawasaki ou je ne sais pas quoi. On apprend qu'une quinzaine d'enfants seraient atteints. Ils auraient pour la plupart Covid-19. Enfin, Samia, on a l'impression que finalement, tous les jours, on en apprend de belles, quoi. Bah oui, mais bon, enfin, c'est pas étonnant. Dès le début, on a dit que ce virus-là, c'était un virus qui était mutant. Donc, enfin, voilà, de mauvaises surprises, on ne peut malheureusement que s'attendre à ça. Donc, enfin, voilà, c'est triste. Mais encore une fois, on connaît pas cette maladie. Et même si certains ont la prétention de dire que, enfin, voilà, c'est juste une suite de Covid, ça me semble être bien plus complexe que ça. Et puis, quant à l'allocution du Premier ministre, écoute, il a été performant en tant que communicant, mais j'ai envie de dire, il ne pourra pas rattraper toutes les erreurs qui ont été commises depuis plus de 2 mois. Et puis, que ce soit sur le fond ou sur la forme, en réalité, je vois pas le bout du tunnel, tout simplement. Emmanuel, est-ce que Édouard Philippe a été convaincant hier après-midi, lors du discours prononcé à l'Assemblée nationale, où il a répondu à quelques questions, il a apporté quelques éclaircissements en remettant sur le fait que les chiffres, s'ils ne sont pas bons, s'ils continuent à baisser, ça pourra se faire. S'ils continuent à monter, on ne pourra pas le faire. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et effectivement, à partir du 7 mai, il y aura une réponse apportée quant au déconfinement selon les régions. Et d'ailleurs, à partir de demain soir, le directeur de la santé offrira aux téléspectateurs une carte qui indique les départements en rouge ou en vert touchés par le Covid-19. Voilà. Sinon, pour le retour à l'école, je pense que c'est clair pour tout le monde. Primaire, maternelle, visiblement à partir du 11 mai, sous la base du volontariat. Pour le reste, 6e, 5e, pour le collège, c'est à partir du 18 mai. Pour le reste, eh bien, on se donne rendez-vous fin mai pour les collèges, les autres collèges et lycées, surtout, pour savoir qui retournera à l'école ou pas, d'ailleurs. D'autres sujets aussi qui ont été abordés, je pense qu'il a été assez clair. Je sais pas, Emmanuel, qu'en as-tu pensé, pardon. Moi, je pense qu'il a été, clair dans la mesure du possible, parce qu'il y a, comme on l'indiquait jusque maintenant, c'est que c'est une maladie, un virus qui est imprévisible. Samia l'a dit tout à l'heure, c'est que, en fait, on ne sait pas ce que c'est ce virus-là, on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé, c'est encore un mystère, mais aussi comment est-ce qu'il évolue, c'est le second mystère. Et il faut être humble, je pense que le Premier ministre a été hier en disant ceux qui pensaient savoir depuis le départ comment traiter cette situation, comment gérer cette situation-là, en fait, ils font quand même preuve de démagogie, parce que personne, même les scientifiques les plus éminents, ne savent pas comment gérer cette situation. On a vu avec différents sons de cloche qui n'ont pas forcément été dans le bon sens depuis le départ. Donc, il faut rappeler la gravité de la situation, c'est quelque chose d'inédit, et je pense que faut faire preuve d'humilité. Le Premier ministre l'a fait hier, et c'est ce que je salue. Après, bien sûr, faut pas occulter le début de la gestion de la crise qui a été quand même compliqué. Et justement, aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut prévoir la suite.
Ouais, effectivement. Bon, vous nous appelez évidemment pour savoir si vous avez été convaincu ou pas. 01 40 33 9000, convaincu par le discours de Édouard Philippe hier. Alors, Jean-Michel Blanquer, qui était l'invité ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, a indiqué que chez Bourdin, notre but est de personnaliser la situation pour chaque élève. C'est ce qu'il a déclaré ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, chez nos confrères de BFM TV RMC. Regardez. Jean-Michel Blanquer, parlons du déconfinement scolaire. Est-ce qu'une première question directe, est-ce qu'une scolarité régulière et intégrale sera possible avant les vacances? Ce sera forcément des solutions mixtes pour tous les élèves, puisque un élève peut se trouver dans quatre situations alternatives. Il peut être en petit groupe à l'école, il peut être aussi à l'étude à l'école, puisqu'il y aura, quand, chaque fois que ce sera possible, on développera ça. Il peut être aussi chez lui, comme nous le connaissons actuellement en période de confinement. Et puis, il pourra être aussi parfois dans des activités périscolaires, quand on aura pu, avec une commune, développer ça, avec des activités physiques en particulier, des activités d'éducation à la santé aussi, en plus de ce qui se passe à l'école. Donc, il y a quatre possibilités. Dans une semaine, un enfant peut se trouver dans les quatre situations. Puis, vous aurez des enfants qui resteront à la maison, et par exemple, certains collégiens, ça va être le cas, qui continueront l'enseignement à distance. Pratiquement à 100%. Donc on va avoir tous les cas de figure, et notre but, c'est de personnaliser la situation pour chaque élève, c'est-à-dire qu'avant le 11 mai, chaque famille a eu un dialogue avec l'Éducation nationale pour savoir ce qui va se passer pour son enfant et quelle est un peu la feuille de route pour mai et juin de chaque élève de France. Vous imaginez? Voilà. Blanquer qui donne des précisions donc sur ce retour à l'école. Samia, toi, en tant qu'enseignante, Blanquer, il Alors, continue. là, je suis entre exaspération et étonnement. Enfin, il veut faire une feuille de route pour chaque élève en Mais moi, l'espace j'ai de rien quelques compris, Samir, je semaines, te rassure. alors qu'il a été incapable durant des années, enfin, durant plusieurs mois, de faire des feuilles de route pour des classes. Ou répondre tout simplement aux attentes des enseignants qui lançaient l'alerte sur le décrochage scolaire qui s'intensifiait. Et là, il vient, et puis d'un coup de baguette magique, il prétend avoir la possibilité d'établir une feuille de route. Déjà, cette feuille de route, ça ne sera pas lui qui va l'établir. Donc, il lance des initiatives comme ça. Et puis ensuite, c'est à la charge des chefs d'établissement. Des maires de communes et puis des inspecteurs académiques de se débrouiller. Durant les jours précédents, là, il y a eu plusieurs visioconférences qui ont été données. Donc, il y avait les inspecteurs d'académie, donc avec les enseignants, avec les chefs d'établissement. Les maires de communes ont fait des visioconférences également avec les chefs d'établissement. Et pour le moment, eux également ne savent pas de quelle manière mettre ça en place. Donc, en fait, on les envoie eux également à l'abattoir. Donc, il y a un moment donné, je pense il faut faire preuve de sagesse, faire un petit peu marche arrière et dire, mais non, là, c'est pas possible. Alors, une des excuses qui a été citée, non pas par Blanquer, mais par Édouard Philippe, concernant donc toute cette mise en place, donc à partir du 11 mai, c'est la nécessité de répondre au manque par rapport au numérique, puisqu'il y a, y a un gros problème d'accès au numérique pour de nombreux élèves. Ça, c'est pas une nouveauté. Ça, pareil, le gouvernement a été alerté là-dessus en amont, parce qu'il faut savoir que l'accès au numérique, c'est un travail qui est fait, c'est dans le programme, et c'est pas nouveau. Donc, au lieu de chercher comme excuse, bon, bah voilà, on retourne à l'école parce que, bah, il y a l'accès au numérique qui pose problème, il y a le décrochage scolaire, etc. Eh bien, réglons plutôt ces problèmes-là. Réglons ce problème de l'accès au numérique. Il y a 15 millions d'euros qui ont été promis pour justement pallier à ce manque. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah rien. Jusqu'à présent, les élèves qui ont bénéficié d'ordinateurs portables ou de tablettes, ce sont les départements via les assistantes sociales qui ont été alertés par les familles qui ont pu en bénéficier. Donc, qu'est-ce qui est fait? Rien du tout. Pareil, le dispositif DocaPost, qui consistait justement à permettre aux enseignants d'envoyer des polycopiés aux élèves qui n'avaient pas la possibilité de l'imprimer. Donc, ce dispositif, il a été mis en place il y a presque plus d'un mois. Ça n'est toujours pas effectif, Christophe.
Oui, beaucoup de ratés, évidemment, on le voit dans cette gestion quelque peu hasardeuse. Et on peut s'apercevoir que Blanquer, au ministre, en tant que ministre de l'Éducation nationale, en tout cas, a vraiment été de ceux, avec Sibeth Ndiaye et quelques autres, à vraiment être les maillons faibles de ce gouvernement, s'il en fallait. Il y a quelque chose qui est très important que vient de dire Samia, c'est qu'il y a des dispositifs et il y a des choses sur lesquelles l'Éducation nationale a été alertée. La fracture numérique notamment, et c'est un des problèmes essentiels dans la continuité scolaire. Et plutôt que de mettre l'argent et de l'énergie dans une reprise peut-être trop anticipée de l'école physiquement pour nos enfants, en les mettant en danger d'un point de vue sanitaire, il aurait fallu, je pense, mettre plus d'argent et d'énergie à justement pouvoir assurer cette scolarité à distance en permettant à tous les élèves, effectivement, d'avoir des tablettes ou des ordis, parce que c'est le cas, moi je sais que dans mon département, le 94, j'ai des personnes qui ont bénéficié de tablettes, mais c'est lié au département. Et il aurait fallu mettre plus d'énergie à pouvoir assurer cette école à distance, en fait, tout simplement. Et au lieu de miser là-dessus, eh ben, ils ont préféré miser sur un retour à l'école, peut-être trop tôt, puisque là, comme on vient de le dire en début d'émission, il y a des nouveaux symptômes et une nouvelle maladie dont tu viens de dire, Christophe, les syndromes de Kawasaki, qu'on apprenait ce matin. Mais ça fait déjà 3 jours que c'est passé dans la presse, puisque c'est oui, en Angleterre, en Italie. C'est les Anglais qui nous ont été là-dessus. Donc hier, ouais, quand il a fait son discours, il le savait, ça. Donc à un moment donné, il faut peut-être dire, ouais, on recule. Il aurait fallu dire on recule à septembre et on se donne les moyens d'assurer les cours à distance. Emmanuel, ton avis avant la pub? Oui, tout à fait. Donc, du coup, moi je suis un peu plus nuancé par rapport à ça, parce que dans le discours d'hier, c'était Édouard Philippe, il n'indique pas qu'il y aurait une réouverture systématique des écoles. Donc, il indique bien qu'il y a deux cas de figure. Le cas de figure où le département est relativement épargné par les cas de coronavirus, et de ce fait-là, le préfet, en accord avec les maires et aussi... Alors, attends, bouge pas, je balance la pub, ouais. Je vais te répondre, j'ai un argument implacable contre ça. La pub tout de suite, et on est de retour dans un instant sur France. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Cher Emmanuel, je te réponds. Ouais. Effectivement, tu as bien fait de préciser qu'il a émis cette proposition, enfin, cette suggestion, sauf que tu as un pays qui s'appelle l'Allemagne, qui s'est quand même, on se l'accorde tous, beaucoup mieux débrouillé que nous dans la gestion de la crise. On est à pratiquement 10 fois moins de morts. Aujourd'hui, a décidé de déconfiner, la semaine dernière, on s'aperçoit qu'une semaine après, elle est sur le point de se reconfiner parce qu'il y a eu une explosion de cas de Covid-19. Le plus grand lycée d'Allemagne a ouvert ses portes, au bout de 2 jours, les a refermées parce qu'il y avait un cas de Covid-19 dans la famille d'un des élèves. Vraiment, quand tu vois l'Allemagne se comporter de la sorte, tu te dis, il y a de quoi être très inquiet, Emmanuel, sur ce qui va se passer en France. Ouais. La deuxième vague, elle est attendue. Elle est vraiment, on la craint. Les soignants en parlent de plus en plus. Il y en a qui la redoutent après le déconfinement, l'après 11 mai. Moi, je maintiens et je considère qu'elle arrivera avant. Et que de toute façon, tout ce qui a été dit hier par le Premier ministre sera caduque. Parce que les chiffres vont exploser à partir de la semaine prochaine. Il ne peut pas en être autrement. Les transports sont blindés. Les bus, les RER, dans le 93, partout. Il y a plein de monde à Paris. C'est depuis même pas une semaine que ça dure. Les gens en ont marre. Ils se sont déconfinés tout seuls. Et les conséquences, on les aura. Sauf si on nous ment. Là, c'est autre chose. Voilà, Emmanuel, ce que je voulais te dire. Non, je ne pense pas qu'on nous mente. Et puis après, ça sera un risque. Tout le monde ment. D'ailleurs, on dit que les morts à domicile, on connaîtra le chiffre qu'au mois de juin. Pourquoi? Pourquoi on attend le mois de juin? Il y a déjà des estimations. Je crois qu'on est autour de 9000 morts. C'est déjà énorme. Je pense que c'est peut-être juste une estimation et peut-être la partie juste est visible de l'iceberg. Et à mon avis, on sera sur des chiffres plus importants que ça, malheureusement. Mais après, c'est aussi pour ça que Edouard Philippe a été assez humble hier pour dire que tout ce qu'il disait, effectivement, comme tu dis, ça, il a été un mensonge. Mais il n'a plus le choix, là. Il n'a plus le choix que d'être humble, là.
Ça fait un petit moment qu'on est en train d'alerter, de dire au gouvernement, cessez votre communication de rentre dedans, vous êtes en train de naviguer à vue. Soyez transparents, ce qui va permettre également aux autres institutions et également à la population de pouvoir aviser également, parce qu'on a envie d'être citoyen, mais on a envie d'être citoyen acteur. Pour être citoyen acteur de manière efficace, on a justement besoin d'avoir des réponses qui soient véridique et qu'on nous donne des réponses claires. Quand on n'a pas de solution, que le gouvernement nous dise on n'a pas de solution sur le court et moyen terme, voilà ce qu'il en est, que ce soit dit, point final. Là, pour ce qui est de la reprise d'école, en termes de jours scolaires, les facteurs qui ont été énumérés, ça s'élève à deux semaines de cours. Rien. Est-ce que ça vaut le coup de mettre en péril la santé des enfants, même si on dit que les enfants, etc., mais il reste quand même, ce sont des vecteurs quand même du virus. Ouais. Il y a les enseignants également, on ne les cite pas, mais ils peuvent être touchés également par le virus, les chefs d'établissement. Voilà, Emmanuel, ASH, ça c'est de l'argument, voilà. Ça. Ça c'est donc, de l'argument de quelqu'un qui est sur le terrain, Emmanuel. Je suis d'accord que pour deux semaines de cours, ça vaut pas forcément le coup de prendre ce risque-là. Hein. Après, ça c'est clair. Hein, c'est pour ça qu'il y a quasiment. Enfin, là, je le vois, j'ai les documents là sous les yeux. Les lycées sont fermés, l'enseignement supérieur sera fermé aussi. Donc, le fait de faire prendre des risques aux enfants les plus jeunes, enfin, je pense que c'est pas forcément nécessaire à ce moment-là de l'épidémie, quoi. Clairement pas. Ouais. Et puis aussi proche de la fin de l'école. Enfin, moi, ce que je vois là-dedans, parce que là, on est en train de parler de c'est vrai, on est bien, enfin, juin, c'est demain, il reste deux semaines effectives de cours. Juin, c'est quel demain. Quel est l'intérêt, si ce n'est de mais permettre demain, ouais. de continuer à travailler que de ouais. faire une reprise actuelle. Mmh. À part de permettre aux parents de retourner travailler, il n'y a aucun intérêt à prendre cette décision de réouvrir les écoles. Il y a un risque énorme. Et oui, encore, tu vois, il y a quand même la base de volontariat. Donc, ça veut dire que certains parents pourront prendre la décision de ne pas envoyer les enfants si l'école est ouverte et que tu n'envoies pas ton enfant à l'école, tu n'as pas le droit au chômage partiel. Donc, volontariat, mais tu n'as pas le choix, en fait. Parce que ne pas avoir de chômage partiel, ce n'est pas avoir de revenus et ce n'est pas avoir le choix si tu ne peux pas nourrir tes gosses. Et c'est une manière pour le gouvernement de se déresponsabiliser s'il arrive quoi Tout que ce soit également. Tout à fait. Donc, il y a une tribune qui a été signée par plus de 500 chefs d'établissement et enseignants sur en fait, vous êtes des gauchos, quoi. Hein, parce que ce que vient de dire Alexis Corbière, il dit « C'est un non-choix que de laisser la responsabilité aux parents que de renvoyer à l'école, les enfants à l'école. » C'est ce que vient de dire sur CNews Alexis Corbière. Voilà. Je pense que c'est la seule à dire ça. Comment, Céline ? Je pense que c'est lui qui nous a écoutés et qui a pompé nos propos. Parce que nous, ça fait des semaines qu'on le dit. Hein. Oui, c'est vrai. On n'a pas attendu Corbière pour avoir ce discours. Hein. Tout à fait. Alexis, cesse de répéter ce qui se passe dans le Grand Forum sur CNews, s'il te plaît. Viens là directement. Viens nous affronter. On a quelques petits sujets de Discord à toi et moi. Il n'y a pas de souci. Merci d'être avec nous sur France Pilot 2. Philippe, il est où ? On y va ? Le Grand Forum avec Christophe Rau sur France Maghreb 2. Messieurs, dames, bienvenue à vous avec Emmanuel Mickaël, Samia Chiki et Céline Bory ainsi que Philippe Bouriaki. On vous offrira un cadeau. Rappelle-nous ce que c'est, Samia, tout à l'heure, dans le quiz du Ramadan. Il suffira de vous connecter sur Facebook France Maghreb 2 ou Christophe Le Grand Forum, l'une des deux. Et il suffira de répondre aux questions de Samia Chiki. Et il y a quoi à gagner ce soir? Alors, donc, il y a un petit cadeau à gagner. Hein. Ce n'est pas un grand cadeau, mais c'est quand même un cadeau très honorable et qui vous sera profitable durant ce mois. Le cadeau ? Le cadeau ? Qu'est-ce qui se passe, Philippe ? Pourquoi tu l'as zappé, Samia ? Elle est en train de donner le cadeau, tu la zappes ? Non, mais non ! J'ai pas dit quel serait le cadeau. Non, mais justement, parce que ça a coupé, c'est pour ça qu'on était suspendu à tes lèvres, on se demandait d'accord. quel était le cadeau. Non, je ne dirai pas quel. Je le dirai à la fin. En tout cas, c'est d'accord. un cadeau qui vaut le coup de suivre le LGF et puis de répondre aux questions. Il y a 5 questions. Donc, c'est autour de la thématique du Ramadan. Ouais. Donc, si vous répondez, donc la première personne qui répondra correctement donc aux 5 questions donc aura gagné le cadeau du jour. Il va falloir veiller, attention. Hein. Céline, Philippe, on va mettre tous nos éclaireurs sur le truc hein, parce qu'il y a des petits malins. Il va falloir m'aider, oui.
Ouais, voilà. On va être attentif. Bon, notre invité aussi dans un instant, Stéphane Flocaris. Pour l'heure, on va un peu rigoler, ça fait du bien. Pour rigoler, j'appelle non pas Achel Goumi, mais Sibeth Ndiaye, qui était l'invité de LCI. Et elle déclare sur un événement qu'il faut aborder avec humilité et prudence. Voici ce qu'elle disait sur CNews. Qui est exceptionnel, qu'on n'a jamais vécu dans notre pays. Et donc, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence. C'est aussi l'un des maîtres mots qu'a employé le Premier ministre, parce que nous savons qu'il y a encore beaucoup de risques sanitaires, peut-être un risque de deuxième vague épidémique. Et donc, nous allons avancer progressivement, pas à pas, avec prudence, pour faire en sorte qu'à chaque instant, en regardant les indicateurs sanitaires, nous puissions dire si, oui ou non, nous entrons dans cette phase de déconfinement à partir du 11 mai, et si nous pouvons y entrer, dans quelles circonstances, peut-être plus strictement, si les indicateurs ne sont pas aussi bons que nous l'espérons, ou peut-être pas du tout. Alors, ce plan de déconfinement, c'est le plan de la nation entière qui est devant nous et que nous ne pourrons réussir qu'ensemble. C'est évidemment au prix de sacrifices, parce qu'il y aura encore des restrictions dans la liberté d'aller et venir. Mais je crois vraiment que le maître mot et la clé de la réussite du moment que nous nous apprêtons à vivre, c'est le fait que chacun, à notre place, en tant qu'individu, parce que nous sommes au sein d'une entreprise, parce que nous travaillons dans une école, parce que nous travaillons dans un commerce, nous soyons... Merci, la porte-parole. Stop. Taisez-vous. Taisez-vous maintenant. Sibeth Ndiaye, donc, c'est fatigant. Il y a des choses qu'on a. Pendant le ramadan, il y a des choses qu'on supporte beaucoup moins bien. Écoutez Sibeth Ndiaye pendant 1 minute 30, c'est un supplice. Voilà, la porte-parole du gouvernement. Non, mais il y a de quoi rire ou pas ce qui est très drôle, c'est que depuis tout à l'heure, il y a un mot qui revient beaucoup dans nos discours, c'est le mot humilité. J'entends que faisons preuve d'humilité, ce truc-là. Mais est-ce que font preuve d'humilité? À un moment donné, on peut faire preuve d'humilité. Tout à l'heure, Emmanuel disait à juste titre que ce virus, on ne peut pas prévoir. Et puis hier, on a le Premier ministre qui nous a fait une leçon de morale en disant les moralisateurs, enfin, je ne sais plus quels sont les termes qu'il a... Oui, à propos des commentateurs, etc. Les commentateurs. Voilà, les commentateurs. Mais on n'a pas été pris par surprise par ce virus. D'autres pays, et ça, c'est ce que je redis à chaque émission, l'ont vécu avant nous. On a eu l'Italie, on a eu la Chine, on a eu d'autres pays d'Asie. On n'est pas été les premiers. Donc, il y a des choses qu'on aurait dû voir et qu'on aurait dû anticiper. La gestion de la crise au début, on le dit, on le redit, elle a été calamiteuse. Donc, hier, on a un premier ministre qui dit « Oui, faites pas les moralisateurs aussi, vous ne pouviez pas savoir, faisons preuve d'humilité. » Qu'il fasse preuve d'humilité. Il y a un mois et demi, on nous disait « Les masques ne servent à rien. » Sibeth Ndiaye le disait « Je ne sais pas m'en servir. » Hier, on a un ministre qui nous dit « Vous inquiétez pas, les masques arrivent. » par, je sais plus, 1 million par semaine, enfin, on en aura. Mais, dans la même phrase, il termine sa phrase en disant, mais, nous invitons cependant les Français à en confectionner, d'eux-mêmes avec les normes AFNOR ou je ne sais plus quoi. Donc, en fait, ils disent, une chose et son contraire, parce qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas suffisamment de masques pour couvrir les 7 millions de Français. Et que malgré tout, bah, c'est sympa si, tes petits voisins et tes petites voisines couturières, ils peuvent mettre la main à la pâte. Pour protéger la population. En fait, aujourd'hui, la population doit pallier au manquement de l'État. Ils ne sont pas capables de nous protéger. Alors justement, puisque tu fais bien d'en parler, un pays qui a été cité en exemple par Jean-Luc Mélenchon, vous savez qu'après le discours d'Édouard Philippe, eh bien, il y a eu donc ces différents présidents de groupe qui ont donné un petit peu leur ressenti par rapport au discours. Puis en plus, il y a eu un vote après. Évidemment, le vote a été largement en faveur du discours d'Edouard Philippe. Alors, le pays en question, c'est le Maroc. Et justement, le Royaume du Maroc, qui est un état d'urgence, j'allais dire, sanitaire, et qui semble d'ailleurs gérer de la meilleure manière qu'il soit, en tout cas par rapport à nous. Regardez ce reportage de France 24 concernant le Maroc. Quelques jours après le premier décès lié au Covid-19, le Maroc a fait le choix de l'anticipation. Le royaume s'est démarqué par des décisions fortes et rapides. La fermeture immédiate des frontières, la fermeture des écoles, des lieux de culte et des commerces non essentiels. Le confinement de sa population et le port obligatoire du masque. Les mesures ont été prises premièrement pour protéger la population, pour qu'ils ne soient pas en contact avec d'éventuels ou potentiels contaminateurs, d'une part, et d'autre part, pour donner la possibilité aux services de santé de se préparer correctement et de monter en puissance en cas d'augmentation du nombre de cas.
Pour éviter la saturation de ces hôpitaux, le ministère de la Santé a opté pour le protocole thérapeutique à base de chloroquine, un traitement administré dès les premiers symptômes. Sans attendre, l'État a constitué un important stock de cette molécule produite localement. Il fallait prendre des décisions. Il n'y a pas de traitement. Donc, on fait appel à des produits qui existent déjà sur le marché, des produits qui sont connus. Bien sûr, je ne dis pas que la chloroquine n'a pas d'effet indésirable. Il y a des effets indésirables, mais c'est des effets indésirables qui sont connus, qu'on peut gérer. Et puis, on va voir, parce que nous n'avons pas le temps de faire des recherches qui répondent à une rigueur scientifique. Et pour fournir sa population, l'État a également mobilisé l'industrie pour la fabrique de masques. Objectif, 5 millions d'unités jour vendues dans les épiceries, l'équivalent de 7 centimes d'euros. Face à la crise, les Marocains retroussent les manches et redoublent d'efforts. Ils sont confinés ici, ils dorment ici 24 heures sur 24 et ils mettent leur vie, leur effort pour réussir. Et chaque jour, ils sont en train d'innover la meilleure méthode pour qu'on puisse produire encore plus. Et pour aller plus loin dans son combat contre l'épidémie, le Maroc a décidé de prolonger le confinement d'un mois supplémentaire jusqu'au 20 mai prochain. Voilà, on n'a pas pris les choses à la légère au Maroc, Samia. Ils ont pu réagir tout de suite et c'est payant. Alors, effectivement, Christophe, justement, un des points positifs pour le Maroc, c'est qu'ils ont été très tôt réactifs. Déjà, ils se sont fournis en chloroquine dès le début. Tout le et stock, qu'ils font prendre à leurs patients dès le début. Oui, tout à fait. Donc, tout le stock de chloroquine de chez Sanofi de Casa, donc, ils l'ont racheté. Donc, ça fait un petit moment. Hein. Et puis, bien entendu, les mesures de confinement étaient très strictes dès le départ. Mais en plus, il y a eu beaucoup de prévention. Donc même, on a vu un travail aussi de la part des policiers et puis même des militaires qui étaient beaucoup dans la prévention, dans la médiation, chose qu'on voit rarement, surtout dans certaines régions du Maroc. Et là, ça a été vraiment une agréable surprise. Pour cette question des masques, effectivement, donc pareil, il y a eu un objectif assez phénoménal au niveau du taux de production. Moi, j'étais un petit peu sceptique et non, les objectifs ont été atteints au point que hier, il y a eu une annonce gouvernementale qui a été faite. Donc, comme quoi, donc ce qui est nécessaire au pays a été produit et que là, donc ils sont en excédent et qu'il y a une possibilité donc d'export qui serait envisagée. Donc, oui, sincèrement, là, je tire mon chapeau. Mais heureusement que le Maroc a pris ces initiatives-là parce que les lits de réanimation au Maroc, il n'y en a pas 5000. Hein. Donc, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été les 4. Catastrophe. Mais ils ont su anticiper. Nous sommes avec notre invité qui est avec nous ce soir sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Merci d'être avec nous, Stéphane Flocaris. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Professeur de philosophie, mais également auteur. Un petit peu, en ce moment, prof de philo, vous êtes un petit peu au repos. Comment ça se passe, là? Non, on travaille, on assure la continuité pédagogique. On nous a parlé dans le pays des premiers de cordée pendant longtemps. Ouais. J'ai l'impression que ceux qui ont pris le relais, c'était les premiers de corvée, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'hôpital et qui ont sauvé nos vies. Moi, j'essaye d'être dans les premiers de COVID en ce moment et de donner un coup de main. Bien joué. Alors, qu'est-ce que le COVID, justement, pour expliquer? Alors, qu'est-ce que COVID? Alors, COVID France, c'est une association qui a été créée par une jeune basketteuse internationale qui est aujourd'hui étudiante à l'université d'Harvard, que j'ai eu la chance d'avoir comme élève à l'INSEP, où je suis professeur, qui s'appelle Maria Guramar. Et elle a importé une bonne idée, parce que les bonnes idées, ça ne s'arrête pas aux frontières, pas plus que les virus. Et elle a importé en France une idée simple qui vient de ses camarades de l'université d'Harvard. Et ils ont créé une plateforme qui s'appelle COVID. Alors en américain, ils l'ont écrit ED, ça fait Education, COVID. Et c'est une plateforme qui met en relation des élèves de grandes écoles ou de grandes universités américaines avec
des enfants, des adolescents qui sont isolés et qui ne peuvent pas forcément continuer à faire leurs devoirs ou à préparer leur travail scolaire à la maison. Alors, l'idée de Maria, ça a été de reproduire ça en France, de l'adapter au système français. Vous savez qu'en France, on a un système avec des grandes écoles, des universités. Là, elle s'est plutôt tournée vers les grandes écoles, c'est-à-dire les écoles normales supérieures, les grandes écoles de commerce comme HEC, l'école polytechnique. Et l'idée, c'est de proposer à des élèves qui sont plutôt en haut du système scolaire français, de venir en aide, non pas simplement à ceux qui sont en bas, mais à tout élève qui, dans le pays, pourrait rencontrer des difficultés pour organiser son travail, qui n'a pas forcément des parents qui sont en situation de l'aider scolairement, ou bien des quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier ? En réalité, il n'y a pas de conditions. C'est en train de passer là sur la bande défilante, et vraiment, on remercie France Maghreb 2 de nous accueillir et de transmettre toutes ces informations. Quand il y a du savoir, on est là. Vous êtes accueillant et adorable. Notre plateforme, donc, c'est covid-scolaire.com/WP. Alors, il y a deux espaces. Il y a un espace pour les tuteurs et il y a un espace pour les élèves. Parce D'accord. qu'évidemment, on accueille aussi des tuteurs. Hein. On a besoin de gens qui viennent nous aider à donner un coup de main à tous ces adolescents. Ça s'adresse aux élèves qui sont entre la sixième et la terminale. Là-dessus, je voudrais insister sur un point. Ce n'est pas forcément les élèves qui sont le plus en difficulté. C'est aussi des élèves, tout simplement, qui ont un niveau, quel qu'il soit, mais qui ont envie de s'améliorer, de ne pas lâcher ce lien avec l'école. Vous savez, j'entendais tout à l'heure votre reportage sur le Maroc et l'une des intervenantes insistait à juste titre sur la réactivité du pays. Dans notre pays, on n'a pas forcément été réactif. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas été réactif, qu'on a commencé par regarder les Chinois de très loin, les trouver un peu ridicules avec leurs masques. Et puis, on s'est dit, les Italiens, ils surréagissent, ils font n'importe quoi. Et puis, on se rend compte que ces difficultés, on les a, nous aussi. Moi, j'ai l'impression que la crainte de la réaction dans notre pays, elle a été liée d'abord à la crainte d'être ridicule. Hein, on a eu peur d'en faire trop. Mais je crois qu'en matière de précaution, en matière de prévention, on n'en fait jamais assez trop. On n'en fait non plus jamais trop. Et on n'a pas de masque, on n'a pas de moyens pour être testé. Demain, on est prêt à renvoyer tous les enfants du pays dans les écoles. Pour l'instant, les tout-petits, plus tard, ceux qui sont un peu plus grands. Il me semble qu'il faut qu'on se prépare à tout ça et peut-être à l'éventualité que tout le monde ne puisse pas retourner à l'école avant l'été. Et alors, il faut faire des offres comme celles qu'on essaye, nous, modestement, de faire dans notre coin, dans notre niche. J'ai une petite question technique par rapport à cette très bonne idée quand même. Comment est-ce que vous... sélectionner, je veux dire, les élèves, que ce soit d'ailleurs des élèves en difficulté, à partir de quel moment on est en difficulté, et les élèves aussi aidants pour vérifier qu'ils viennent bien des écoles que vous avez choisies ou qui peuvent venir peut-être, je ne sais pas si c'est possible, mais d'une école, par exemple, du 93, mais qu'un élève qui a un super bon niveau, qui se tape des bonnes moyennes. Comment vous vérifiez ? Est-ce qu'il y a un travail en amont ? Évidemment, alors ça, c'est vraiment une question... C'est une excellente question dont je vous remercie. On a veillé avec Maria Guramard à vraiment sécuriser les choses. D'abord, ce n'est pas évident, ça ne va pas de soi, de mettre en contact des adolescents avec une vidéo, avec potentiellement des gens qui sont majeurs et des gens qui sont des adultes. Donc, il y a un règlement intérieur assez strict qui permet aux familles d'exercer un contrôle parental, et il faut que les élèves qui sont mineurs aient l'accord de leurs parents pour s'inscrire. Alors, par contre, on ne pratique évidemment aucune espèce de sélection. On prend tous les élèves, qu'ils aient un niveau extrêmement modeste ou qu'ils soient brillantissimes. Concernant les tuteurs sont recrutés
sur leur bonne foi, bien sûr, mais pas simplement. On leur demande à quel niveau d'études ils sont, dans quelle école ils sont. Ils appartiennent en général à des réseaux de grandes écoles qui se sont d'ailleurs mobilisés extrêmement rapidement, hein, parce que cette affaire, elle a même pas une semaine. On a créé ça entre mercredi et jeudi dernier. On y a passé 2 jours et 2 nuits pour mettre tout ça en place dès le week-end dernier. Et ça commence déjà, il y a plusieurs dizaines d'élèves qui s'inscrivent. On n'en a aujourd'hui pas assez. Hein. On a plus de tuteurs que d'élèves. Donc vraiment, vous nous donnez l'occasion de dire à vos auditeurs que s'ils ont un adolescent entre, disons, la classe de 6e et la classe de terminale qui a besoin de soutien scolaire, la famille peut être soulagée tout en étant sécurisé sur le plan du contrôle parental, en nous adressant ses élèves. Et comment dire, donc pas de sélection du côté des élèves et du côté des tuteurs, un recrutement qui se fait dans un vivier de grandes écoles, très sécurisé aussi. Alors il y a évidemment parmi les chroniqueurs aujourd'hui une enseignante, donc quelqu'un qui est votre collègue hein, finalement, Samia Chiki. Oui. Comment tu réagis face à cette, bonsoir, à cette proposition, bonsoir, à cette fabuleuse idée. Alors moi, je suis vraiment, vraiment contente. Moi, j'attendais ce type d'initiative avec impatience. Il y a eu plein de petites initiatives hein, qui sont nées, mais qui sont vraiment restées très isolées parce que bon, elles n'ont pas été médiatisées. Et puis ensuite, on a été tellement pris par le travail et puis le nombre d'élèves aussi à prendre en charge qu'on n'a pas pu faire plus. Donc là, c'est vraiment super qu'il y ait une plateforme comme ça, comme COVED, où on puisse s'inscrire déjà facilement, parce que ce n'est pas chose facile. Nous, on a fait les choses un petit peu à l'ancienne, donc on a juste mis ça sur les réseaux sociaux, et puis donc les parents ou les élèves nous contactaient. Et donc, le suivi, c'est fait par la suite. Donc, le fait qu'il y ait justement un support comme ça numérique, c'est vraiment un plus. Le fait de savoir qu'il y a également de nombreux tuteurs, c'est rassurant parce que là, effectivement, les enseignants sont aussi un petit peu à saturation. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que le télétravail d'un enseignant, c'est très, très éprouvant puisque à côté, il y a également la vie de famille. Jongler entre les deux, entre quatre murs, surtout quand on a des enfants, c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense que cette plateforme peut être bénéfique aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Donc, je remercie justement les initiateurs de ce projet-là. Est-ce voilà. Que je peux répondre à Samia ? Bien sûr, Stéphane. Bien entendu. Merci beaucoup, chers collègues, de ce soutien. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il faut, essayer de se représenter ce que c'est que cette continuité pédagogique qui a été imposée aux collègues. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Simplement, elle a été imposée de manière un peu rapide, inattendue, parfois presque brutale, où les établissements ont demandé immédiatement aux professeurs qui sont avant tout des savants et des pédagogues, de se transformer en animateurs avec multiplication des supports techniques, électroniques, et comment dire, ça n'a pas été simple du tout. Alors voilà, nous appartenons peut-être à une génération de collègues pour laquelle ça a été relativement rapide. Il y a des collègues pour qui ça a été très compliqué, et je crois que c'est compliqué aussi bien pour les familles que pour les professeurs d'assurer cette continuité pédagogique, comme l'a dit Samia, dans la continuité même de la vie, parce que nous sommes tous ramenés à l'espace domestique et à l'espace familial, qui normalement est un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de convivialité, et là qui devient aussi un lieu de travail. Et ça, ça n'a pas été simple de le mettre immédiatement en place. Hein. Donc, cette continuité, elle s'est faite, mais elle ne s'est pas faite si facilement que ça. Donc, il nous a semblé bon d'essayer d'apporter quelque chose. Céline Bory, question. Moi, déjà, je voudrais remercier Stéphane pour de contribuer. J'entends pas Céline. Ah, il n'entend pas Céline. Bon, on vous fera la traduction, ne vous inquiétez pas. D'accord, d'accord. Je disais que déjà, c'est une superbe initiative.
Il y a autre chose, moi, qui me touche particulièrement, c'est que c'est vrai qu'elle s'adresse à tous les élèves, indépendamment de leur niveau scolaire. Elle s'adresse à tous les élèves, au-delà de leur niveau social, niveau scolaire. On dirait qu'elle ne parle pas de la même langue que nous. C'est ça. On s'articule. Et qu'au-delà de ça, ça peut peut-être susciter des ambitions et des vocations, parce qu'il y a peut-être des jeunes collégiens ou lycéens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Polytech ou de l'ENS et qui peuvent se dire, bah, finalement, c'est peut-être quelque chose que je peux toucher du doigt, des études auxquelles je peux accéder justement en rencontrant ces étudiants et en passant par la plateforme. Ah, tu fais un mal, là, Philippe, là. Vas-y. Elle a dit, franchement, Saha, Somme. Non, elle a dit, non, ça peut susciter des vocations aux collégiens et aux élèves qui ne connaissaient pas Polytech et OMS. Tu m'arrêtes là. D'accord. Ouais, un ELS, enfin, un truc très compliqué. ENS. L'éducation nationale spécialisée, c'est ça? C'est quoi? Non, école normale supérieure. C'est l'école normale supérieure. J'ai entendu parler un jour. Et donc, après ton bac à sable. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous a félicité en fait. Céline, félicité. Que je remercie d'ailleurs. Vous a félicité. Elle a salué votre action. Voilà. Écoutez, ne bougez pas. On se retrouve juste après la pub avec question probablement de l'homme caché, l'homme silencieux, Emmanuel Michael, dans un instant sur France Maghreb 2, avec notre invité et cette superbe initiative qu'on avait envie de mettre en honneur aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. C'est Stéphane Flocaris qui est avec nous, il est professeur de philosophie, mais également auteur. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Christophe, nous cependant, en live. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, c'était juste pour dire que nous avions des vidéos... concernant COVID. Ah, est-ce qu'on peut en voir quelques-unes peut-être pour savoir et pour se familiariser avec COVID? C'est le moment, les amis, parents. Alors, juste une précision, il y a de nombreux sportifs de haut niveau qui soutiennent l'initiative, puisque comme le disait Stéphane, l'initiatrice est issue de l'INSEP, donc beaucoup de sportifs soutiennent l'initiative. Beaucoup de sportifs soutiennent l'initiative, c'est ce que nous rappelle Céline, Stéphane. Et où, Stéphane? Oui, je suis là. Voilà, Céline nous rappelait à juste titre qu'il y a beaucoup de sportifs qui soutiennent l'initiative. Absolument, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui appartiennent aujourd'hui aux équipes de France de tous les sports, qui soutiennent, qui nous adressent des petites vidéos de soutien, et elles sont comment dire, beaucoup relayées, beaucoup partagées. Sur Facebook, là, on aperçoit Solène Lusseau et l'équipe de France de natation synchronisée. Vous voulez que je laisse si vous... Oui, on peut envoyer. Hop, c'est parti. Allez, vas-y, on voit. Je pense, Christophe. Marie Ramar, ancienne élève et basketteuse de l'INSEP. Aujourd'hui, étudiante à Harvard. Elle lance une plateforme d'aide au soutien scolaire des adolescents isolés en France. Elle s'appelle COVID France. Nécessaire que jamais d'être tous ensemble et derrière ce genre d'initiative. Utile pour soulager les familles. Mettre l'excellence au service de la solidarité. Le confinement nous fait prendre conscience de la nécessité et du plaisir d'agir de façon solidaire et responsable. Toute la famille du sport se réunit derrière Maria et ses amis tuteurs qui sont tous issus des plus grandes écoles et universités de notre pays. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à vous inscrire sur la plateforme. Ou à consulter la page Facebook de COVID France. Voilà. Bah voilà, c'est très clair. Oui, il y a une deuxième vidéo. Ah, c'est super parce qu'en ça fait très, très en plus plaisir, de ça, amis, le terme de tuteur, voir, je trouve, de voir est ces jeunes filles qu'on a eues comme élèves. Ouais. Samia, qui réagissait, oui, on t'écoute, Samia. Oui, je pense que cette plateforme, elle a aussi un avenir post-crise Covid. Post-confinement, oui. Pour la simple et bonne raison qu'on manque cruellement, justement, de tuteurs, que ce soit dans les collèges et surtout dans les lycées, parce que justement, le lien est toujours un petit peu complexe entre les lycées et les établissements de l'enseignement supérieur. Donc, justement, je pense que là, ça pourrait même avoir un avenir prometteur, justement, de sorte à ce qu'il y ait des tuteurs qui puissent maintenir un lien avec les lycéens, notamment dans le futur. C'est prévu, Stéphane, après confinement, de poursuivre l'aventure?
On ne sait pas, Christophe, Samia, on ne sait pas où on va. Ce qu'on sait, c'est que on a envie d'aider le pays, qu'on a envie d'aider les enfants, les adolescents, les élèves. Ça, c'est vraiment notre priorité. Pour l'instant, on n'a aucun contact avec aucune institution. Et on navigue un peu à vue. Il y a une chose qui est quand même très importante de rappeler, c'est qu'il faut absolument saluer le travail de nos collègues professeurs, enseignants à tous les niveaux d'études et à tous les niveaux de l'institution. Il ne s'agit c'est surtout ça. Pas de se substituer à qui que ce soit, mais de relayer. Il s'agit d'apporter une aide en plus. Hein. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais je crois qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, ni sur le plan scolaire, ni même sur le plan sanitaire et social. Ça, c'est clair, oui. On navigue à vue depuis un petit moment, d'ailleurs, dans ce pays. Alors, ça pourrait être sympa, Christophe. Si avec Philippe, vous pouviez faire connaître à vos auditeurs Maria. Philippe, il a une vidéo, il y a Maria Guramar, qui est la fondatrice de COVID France et qui présente le projet mieux que personne. Je ne sais pas si Philippe, il arrive à trouver la vidéo. Si, on l'a. Vous inquiétez pas, vous savez qu'on bosse, nous, on arrive à tout trouver. Alors vas-y, balance la vidéo, mon Philippe. Allez, Stéphane, je vais être surpris. Ouais, mais alors on peut peut-être attendre le retour de la pub. Oui, on va attendre. Vous savez ce qu'on va faire, Stéphane? On va attendre le retour parce que là, oui. En fait, on est en pub à la radio, à l'antenne. On est en live sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. On va peut-être attendre le retour à l'antenne de la radio pour que les auditeurs qui nous écoutent d'accord. à travers la radio puissent en profiter, en bénéficier. Ce serait quand même bien. Voilà. Céline, qu'est-ce qui se passe du côté des RS? Les gens sont plutôt très enthousiastes par rapport à l'initiative de COVID, bien évidemment. Et il y a qui nous dit bravo et merci. Voilà, donc les gens sont enthousiastes, Stéphane, concernant cette initiative COVID sur nos réseaux sociaux. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Retour sur France Maghreb. J'entends pas Céline, mais. Ne vous inquiétez pas, mon Stéphane. On est là de retour en direct à la radio sur France Maghreb 2 avec Céline Bory, avec Samia Chiki, Emmanuel Michael, Philippe Bouriaki et notre invité aujourd'hui pour nous parler de cette superbe initiative, Stéphane Flocaris, qui est professeur de philosophie et auteur. Et Stéphane, vous souhaitiez que l'on fasse écouter à nos auditeurs, auditrices, à nos spectateurs et spectatrices. Bah, celle qui a eu cette idée finalement, puisque c'est celle qui le présente le mieux. De qui s'agit-il, Stéphane? Alors, vous voulez que je vous parle de Maria, c'est ça? Parce que j'ai voilà, pas c'est ça, de Maria, effectivement. Alors, Maria dont Philippe retrouvera sans doute les images. Maria Guramar, c'est une élève que j'ai eue en classe à l'INSEP, en terminale scientifique. C'était une élève vraiment extrêmement brillante qui avait eu son baccalauréat avec mention très bien, avec 2 ans d'avance, qui était déjà en équipe de France de basketball et qui a été recrutée par l'université de Harvard. C'est vous dire son profil absolument exceptionnel. Et elle m'a aidé il y a 2 ans après son baccalauréat. J'avais fondé une association qui s'appelait Le Mot France ici à Créteil avec le département pour venir en aide aux migrants non accompagnés. Et on s'est occupé de 500 enfants, 500 adolescents migrants pendant 2 ans. Maria commence à ses études, mais elle est venue nous aider. Et quand elle est retournée aux États-Unis, elle a poursuivi ses études, elle s'est développée. Et en revenant ici, c'est assez naturellement qu'elle a pensé à m'appeler quand elle a monté cette plateforme, parce qu'on avait un peu une expérience commune de ces questions-là. Et elle sait mon engagement sur ce terrain. Et donc, voilà, c'est tout simplement, Maria, une belle personne, une élève brillante et une citoyenne qui a conscience qu'il faut qu'on se retrousse les manches et qu'il faut qu'on ait des synergies comme ça entre nous pour que les choses avancent. Tout peut pas venir d'en haut, c'est pas possible. Hein. Philippe, on a le Maria ou pas? 30 secondes, Je vous en prie, on t'a entendu d'ailleurs faire un petit commentaire. Oui. Il n'avait pas lieu d'être à l'antenne, Philippe, mais bon, ça peut arriver. Je n'avais pas fermé mon micro, je ne peux pas fermer mon micro, je suis obligé de me déconnecter complètement et j'arrive dans moins de 30 secondes. C'est pour ça que je vous dis, meublé, j'arrive. Oui. À tout de suite. D'accord, très très bien. Alors, une petite question, Stéphane. Samia Chiki, une question. Emmanuel, n'hésite pas aussi à faire une question. Ouais. Est-ce que vous avez mis justement en place des types d'évaluation
un petit peu sur le même modèle pour l'ensemble des tuteurs, pour pouvoir justement voir la progression des élèves sur court ou moyen terme. Ou alors, vous laissez véritablement les tuteurs vraiment se débrouiller seuls. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment de protocole en la matière. Ce qu'on a prévu, c'est de demander du côté de l'élève et du côté du tuteur qu'il y ait pour chacune des interactions, chacun des entretiens que l'élève a avec un tuteur et que le tuteur a avec son élève, qu'il y ait un petit élément de satisfaction. C'est-à-dire, est-ce que l'élève a intégré une chose qui s'est dite au cours précédent, est-ce qu'il intègre les remarques qui lui sont faites, est-ce qu'il a l'air de progresser en termes de méthode, est-ce qu'il s'approprie le sens des exercices. Donc, si vous voulez, Samia, j'allais presque dire, si tu veux, Samia, puisque on est des collègues et qu'on a l'air en plus de partager les mêmes idées, c'est plus quelque chose pour l'instant de qualitatif que de quantitatif qu'on a mis en place. C'est-à-dire qualitativement, est-ce que la relation éducative, est-ce que la relation de soutien est bien perçue par l'élève, est-ce qu'elle est bien comprise par l'élève et est-ce qu'elle est appréciable aussi du côté du tuteur, hein. Et tu sais, Samia, et je pense que tout le monde sait, que pendant le confinement, les élèves ne reçoivent pas vraiment de notes. Ou s'ils sont des notes, elles ont des notes, elles sont indicatives, puisque le ministre, qui a changé d'ailleurs 12 fois d'avis pratiquement tous les jours depuis le début du confinement, nous a expliqué qu'il fallait leur donner des notes, mais surtout pas les compter. Ce qui, pour les élèves, évidemment, est complètement désorientant, puisque une note pour un élève, entre guillemets, c'est comme une rétribution ou un petit salaire. S'il n'a pas ça, il ne sait pas trop où il en est. On sait que nos élèves ne lisent pas les appréciations qu'on leur met sur les copies. Hein. Ils lisent d'abord, hélas, la note. Question d'Emmanuel, peut-être. Ah, voilà, Maria. On écoute Maria. Oui, et ensuite, Emmanuel. Allez. Ça marche juste après. Bonjour, d'accord. Je m'appelle Marie Guramard. Je suis étudiante et sportive à l'Université Harvard aux États-Unis. Inspirée par les initiatives de certains de mes camarades, je me suis rendu compte qu'une chose très importante dans ces temps d'incertitude et d'isolement est la poursuite de l'éducation. Donc, pour en donner le moyen au plus grand nombre, j'ai créé la plateforme COVED France, qui vise à proposer des cours de soutien gratuits et en ligne à des élèves de collèges et lycées en France. Donc, via notre site web que vous trouverez sur cette page Facebook et qui est covid-scolaire.com/wp, nous connectons des élèves à des tuteurs qui sont tous étudiants dans des universités et des grandes écoles françaises de renom. Donc, notre but est vraiment d'aider les élèves qui sont en isolement, qui sont chez eux et de soulager les familles. Donc, si vous connaissez quiconque qui pourrait bénéficier de notre aide et de ces cours de soutien, n'hésitez pas à faire partager l'information au maximum et à partager nos liens, notre page Facebook et notre mail. Si vous êtes étudiant en université et que vous avez même 2 heures par semaine à contribuer à notre cause, je vous prie aussi de vous inscrire auprès de nous. Donc, dans les deux cas, l'inscription se fait très facilement via notre site web, via un formulaire. Voilà, donc je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui rendent cette initiative possible, nos tuteurs et un grand nombre de mes anciens camarades de l'INSEP qui contribuent à faire passer ce message. Voilà, donc prenez soin de vous et j'espère à très bientôt en ligne. Je rappelle que ces cours sont entièrement gratuits et qu'il n'y a aucune sélection sur la base du niveau scolaire ou quoi que ce soit. Voilà, à bientôt. Top, voilà, c'est effectivement très très bien présenté, il n'y a rien à dire. Emmanuel, question à Stéphane Flocaris. Ouais. Déjà, je voulais saluer l'initiative que vous avez menée avec les personnes qu'on a vues en vidéo et d'autres sportives donc qui sont investies sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est très important et donc je voulais vous féliciter pour cette initiative-là. D'autant plus que je constate au niveau local qu'il y a un réel manque, en tout cas, de transparence dans les écoles qui nous permettrait de trouver les étudiants, les élèves qui sont en difficulté pour pouvoir les accompagner. Je m'explique. En fait, les enfants bénéficiaient d'un accompagnement par rapport à nombreuses associations. C'était de l'accompagnement de soutien scolaire, mais donné de façon physique. Et aujourd'hui, avec cette crise que nous traversons, donc il n'y a plus la possibilité de ces regroupements. Et le fait de trouver la possibilité via le télétravail, enfin via le cours à distance, de pouvoir garantir une continuité pédagogique, je trouve ça super important, super intéressant, et qu'il faut développer. Sauf que sur le plan local, on n'a pas eu la possibilité de le faire parce que on n'a pas les élèves qui se manifestent. En tout cas, on n'a pas cette information-là. Vous disiez aussi tout à l'heure, monsieur, donc Stéphane,
c'est le plus compliqué peut-être parfois de trouver les étudiants ou les élèves qui vont se manifester vers nous pour dire voilà la difficulté qu'on rencontre, comment est-ce qu'on peut être accompagné. La notion de tutorat, c'est super bien vraiment. Et je sais plus si c'était Céline ou Samia qui en parlait tout à l'heure, mais l'après-Covid, je pense qu'il faut garder cette initiative-là. Ouais, ça a un avenir. Ça a vraiment de l'avenir. Le tutorat, c'est extrêmement peu développé en France. Il faut qu'on puisse y travailler. Et je pense que votre initiative, elle va dans ce sens-là. Donc, ma question, c'est comment faire connaître davantage cette initiative-là? Comment est-ce qu'on peut en parler autour de nous? C'est une chose, mais comment développer à grande échelle? Je pense peut-être que des partenariats avec les associations de parents d'élèves ou des partenariats avec l'éducation nationale, même pourquoi pas viser une structure institutionnelle. Voilà. Qu'est-ce que vous avez en tête? Comment vous projetez les choses pour davantage de visibilité sur cette belle initiative que vous avez menée? Stéphane. Bon, merci beaucoup, Emmanuel, de votre soutien et de vos encouragements. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel je vous avoue que depuis une semaine qu'on a créé ce projet, on n'a pas eu énormément le temps de réfléchir, tout simplement parce qu'on avait, comme disent les cyclistes, vraiment la tête dans le guidon. Il a fallu monter ça sur le plan logistique. Mais il est évident que si on l'a monté aussi vite, avec autant de détermination, avec autant d'énergie, c'est parce que il nous semble depuis longtemps qu'il y a un déficit dans ce pays. Il y a un déficit qui est lié, bien sûr, à la prise en compte des enfants et des élèves dans les quartiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers, mais il n'y a pas que les quartiers, hein. J'en parlais l'autre jour avec Céline. C'est vrai que la banlieue, elle est quand même en première ligne là ici pour réagir, pour poser ces questions-là. Alors pourquoi c'est nous qui réagissons les premiers? Et je vous dis ça, moi j'enseigne plutôt dans une banlieue très privilégiée et très protégée, mais je vois bien qu'autour le bassin d'enseignement du Val-de-Marne est extrêmement diversifié. Alors pourquoi est-ce que nous on réagit? On réagit parce que nous tous on est en contact avec des enfants qui sont en difficulté, on est en contact avec des enfants qui sont sans aide, y compris à l'intérieur de la famille. D'ailleurs moi personnellement c'était mon cas lorsque j'étais enfant à Choisy dans le Val-de-Marne, j'avais pas forcément des parents qui pouvaient m'aider à faire mes devoirs et à comprendre ce que demandaient mes professeurs. Donc oui, si notre initiative peut prendre de l'ampleur, si elle peut faire des petits, si elle peut avoir l'effet, disons, de donner à d'autres l'envie d'en faire autant, eh bien, il faudra continuer. Je suis d'accord avec vous. Je pense que cette crise, qui risque d'ailleurs de se transformer en une crise politique et pas simplement une crise économique et une crise sanitaire, je pense que dans notre pays, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir poser sur la table. Et il va falloir poser sur la table, notamment la question de savoir si on veut que les hôpitaux fonctionnent seulement quand il y a une crise sanitaire ou si on veut que les écoles fonctionnent seulement quand il y a la continuité pédagogique qui nous est imposée comme une nécessité conjoncturelle. Je pense qu'au-delà de la conjoncture, structurellement, il faut faire évoluer les choses et clairement dire que dans ce pays, la santé et l'éducation doivent être absolument prioritaires. Or, c'est vrai, il y a des inégalités. Il y a des disparités, elles sont territoriales, elles sont spatiales d'abord, mais elles existent aussi à l'intérieur des familles. Et à l'intérieur des familles, tout le monde ne trouve pas forcément le soutien qu'il pourrait espérer avoir de la part de ses parents. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas le rôle des parents que de devenir les coachs scolaires de leurs enfants, parce que ça pollue les relations qu'ils ont avec leurs propres enfants, ça dénature la relation qu'ils ont avec leurs enfants. Moi, je suis professeur, je suis agrégé de philosophie, j'ai fait ce qu'on appelle, entre guillemets, des bonnes études, des études brillantes, et je peux vous dire que souvent, devant mes enfants, je me suis retrouvé démuni, je me suis retrouvé dans un état passionnel, à crier, à m'énerver, à pas être d'accord, à exiger, à trouver pas normal que ce qui, pour moi, avait été très facile ne le soit pas autant pour eux. Et donc, c'est toute cette discussion-là qu'il faut qu'on ait. Mais il ne faut pas qu'on ait cette discussion simplement à coup de menton ou à coup de directives scolaires, parfois complètement délirantes. On voit bien qu'aujourd'hui, la réforme, par exemple, du lycée,
n'est pas une réforme qui va éviter les inégalités. Au contraire, on est en présence d'une réforme du lycée qui va creuser les inégalités. Donc, toutes les initiatives, peut-être comme la nôtre, j'ose l'espérer, qui vont dans le sens d'un plus grand partage du savoir, d'un plus grand partage des savoirs, eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, en fait. Merci Stéphane Flocaris d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, nous avoir présenté cette excellente initiative qu'on salue évidemment. Dès qu'il y a savoir en France Maghreb 2, forcément répond présent et le Grand Forum qui plus est. Donc merci beaucoup Stéphane, à très bientôt. Vous êtes auteur, mais auteur de quoi Stéphane? Merci Christophe, je voulais vous dire une chose, juste avant de réagir sur l'importance du savoir chez France Maghreb 2, je voulais vous remercier, avant de vous parler un instant de moi, vraiment très 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 chaleureusement au nom de Maria, de moi et de tous ceux qui ont participé à cette action, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir, et en termes de savoir, je vais vous dire que si un jour vous avez besoin d'un philosophe qui vient vous parler de quoi que ce soit, je serai toujours disponible pour France Maghreb 2 avec grand plaisir. Alors, j'ai écrit un livre sur Nietzsche et le Nouvel An. Ouais. Et puis, ce livre a eu un peu de succès, mais au départ, c'était plutôt un livre de philo qui s'adressait aux Nietzschéens et au public un peu élargi des lecteurs de bonne volonté. Et puis, j'ai fait ensuite un deuxième livre qui était un peu la continuité du premier, qui celui-là était sur Noël, qui s'appelle « Survivre à Noël » et qui, lui, alors… j'ai eu de la chance, a eu beaucoup de succès, beaucoup d'échos. Et je viens de finir un dernier livre qui peut-être vous intéressera. J'espère pouvoir venir en parler un jour, peut-être à France Maghreb 2. Et parce que nous sommes aussi des Méditerranéens et moi, je suis profondément méditerranéen. Donc, j'aime le football, j'aime le ballon et j'adore la philosophie. Et j'ai réuni mes deux univers de vie, deux de mes univers de vie, disons, la philosophie et le football. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi le football ?» aux éditions des Belles Lettres. Mais il devait sortir en avril et à cause du report de l'euro, il ne sortira qu'en avril prochain. Très bien. Eh bien, passionnant tout cela. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous. Un grand merci à vous tous. Merci à vous et à très vite. Je vais le dire. J'espère. Avant de se quitter, ce serait bien que tu prononces convenablement le nom de notre invité. Qui, moi? Ah oui, toi. J'ai dit quoi? Vas-y, t'as dit quoi depuis tout à l'heure? Stéphane Flocaris. Il n'y a pas de S à la fin, Christophe. Il n'y a pas de S. Alors, voilà, pas de S, Stéphane Flocaris. Voilà. D'accord, et personne ne me dit rien. C'est vraiment, c'est extraordinaire. L'ambassade d'Algérie nous a envoyé un SMS puisque Stéphane nous a dit qu'il s'énervait rapidement lorsqu'il était avec ses enfants, etc. Et vous êtes officiellement, vous avez la suite algérienne. Ça, c'est officiel. Stéphane Flocaris, donc, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à la question. Ça va se payer tout ça. Merci beaucoup. Merci Stéphane. À très vite. Merci à toute votre équipe, infiniment. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Pourquoi il n'y en a pas un qui m'a kiffé? Mais parce que c'est le patron, il en a peur, nous, tu vois. Mais arrête, t'es con. On a une évaluation annuelle dans 15 jours, tu crois qu'on va s'annuler? Je me suis dit que c'était... Mais attends. Il y a bien quelqu'un qui m'a... Quand, vous savez qu'on s'échange et tout ça, des messages. Il y a quelqu'un qui m'a écrit avec un S, donc moi, j'ai pris avec un S. C'est pas moi. Moi, c'est pas moi non plus. Non, c'est pas moi non plus. Bah non, ça peut pas être toi, Emmanuel, ça c'est sûr. Bon, je chercherai le coupable, je trouverai. C'est certainement moi, je vous l'accorde, mais voilà. Bon, pardon, parce que c'est ça les philosophes, tu vois. Il dit rien, Miskin. Ça aurait été un karatéka, ça fait longtemps qu'il serait. Il est sage. Ouais, non, vraiment super initiative. Merci Céline pour d'avoir accepté d'inviter. C'est juste une chose, c'est une initiative qu'ils ont montée en une semaine. Ouais, je sais. Ils ont fait un bon début et ils ont fait une super plateforme et un super boulot. Bon, et franchement, ils ressemblent quand même un petit peu à Blanquer. Ils ont fait la même chose. Ah bon? Oui. Ils ont mis ça en place, je crois, il y a une quinzaine de jours. Donc, pareil, en fait, ceux qui souhaitent donner des cours, aider, donc ils s'inscrivent. Les familles qui souhaitent inscrire les enfants, donc pareil, ils s'inscrivent. Et puis ensuite, par contre, je crois qu'il n'y a pas de plateforme spécifique. Pour le moment, en fait, ils passent uniquement, tu sais, via une adresse mail. Et ensuite, ils se mettent en contact. Là, vraiment, ce qu'il y a de bien avec COVID, c'est que c'est vraiment une plateforme, quoi. Mm. Donc, il y a vraiment un support travaillé. Il y a une bande de copieurs, cette plateforme des musulmans. Je voulais préciser qu'on n'a pas un bande de musulmans. De quoi ?
Quelle bande de copieurs les plateformes de musulmans. Non, 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 ils l'ont fait il y a un moment. Il y a juste. Bah, ils copient depuis un moment. Parce que là, on parlait de soutien et d'aide, mais on parlait de disparité scolaire, mais il y a aussi une disparité de niveau dans nos écoles de banlieue, entre les écoles de certaines villes et les écoles d'autres villes, voire des écoles privées. Nos élèves, certains élèves qui sont pas moins brillants que d'autres, mais il y a des disparités de niveau qui sont énormes. On a un niveau qui est en baisse, on a une éducation nationale qui est malade, et ce genre d'initiative, ça peut permettre à certains élèves de relever le niveau en accédant à ce genre d'enseignement via COVID. 18h12. Merci. Franchement, vous m'avez foutu la chômage. Bah, tout seul, t'es fou. Non, il y a Philippe qui a remarqué, c'est bon. Non, mais il n'y a pas un qui a pu me dire, ouais, Céline ou Philippe, il peut m'envoyer un petit message. Je gère le chat, je gère le truc. J'ai pas le temps, moi, t'envoyer des messages. Non, ça va se payer, là. Là, vous m'avez mis en colère. Je suis énervé. Mon augmentation, je ne l'aurai pas tout de suite. Moi non plus, je te rassure. Il y a Nadia Christophe qui te rassure en te disant « Merlech Christophe, t'as qu'à dire que tu es du Sud, là-bas on prononce toutes les terminaisons. » Exactement, merci Nadia. Je suis un méditerranéen, je suis du Sud et on prononce tous les S, tous les T, tout ce que vous voulez. Alors, on va jouer maintenant et grâce à Samia Chiki, voici le quiz du Ramadan. Alors, rappelle-nous le principe. Et Céline, Philippe, Emmanuel, soyez vaillants. On a besoin de vous parce qu'il y a peut-être des petits tricheurs. Donc, hop, on y va. C'est sur Facebook que ça se passe. Vous nous écoutez à la radio, vous arrêtez à l'instant là avec votre voiture. Vous garez, c'est très important. Et vous regardez le live France Maghreb 2 ou Christophe Le Grand Forum. Et vous répondez aux questions de Samia. Celui qui arrive à répondre aux 5 questions de Samia repartira avec le cadeau dont on ne connaît pas encore le contenu. Mais voilà. Alors, Samia, c'est parti. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le premier quiz du Ramadan, donc du LGF? Donc, oui. 5 questions. Donc, le premier qui répond correctement donc, aux 5 questions donc, sera le gagnant du jour. Une question technique. Est-ce qu'il répond question par question ou les 5 d'un coup? Non, on va répondre question par question. D'accord. D'accord. Après, on verra. Si d'un point de vue technique, c'est difficilement réalisable, on pourra refaire autrement pour les prochaines fois. De toute façon, on essaye. Alors, allez, c'est parti. On fait comme le gouvernement. On fait comme le gouvernement, on teste. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. On critique, mais on fait pareil. Alors, ça vient. Première question. Alors, quelle est la signification des 10 premiers jours du mois de Ramadan? Monday, Tuesday. Donc, je répète. Quelle est la signification des 10 premiers jours du mois de Ramadan? Alors, donnez votre réponse en commentaire. Allez, vite. France Maghreb 2, Christophe, le grand forum. Allez, Zaklas, on compte sur toi. Sana, Salem. Allez, un beau cadeau. Nadia, là. Un beau cadeau. William. Céline, tu as une idée? Céline, t'es partie chercher sur Google? Non, c'est bloqué son truc. Céline, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Je vous entends très mal, en fait. J'ai une mauvaise connexion. Pas entendu. J'ai déjà fait ce coup-là avec Idriss. Ça fonctionne bien. Alors, la question, Samia, le rappel. Quelle est la signification des 10 premiers jours du mois de Ramadan? Céline, tu sais ou pas? Il ne faut pas répondre, si tu sais. Je n'ai pas entendu la question. Là, c'est bon, je capte mieux. Tu peux répéter, s'il te plaît, Samia? Miséricorde. Lily, elle nous dit miséricorde. Quelle est la signification des 10 premiers jours du mois de Ramadan? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Facebook? Lily Yasmine, elle nous dit miséricorde. Ah. Oui ou non? Ah oui ou non? C'est bon. Et ben voilà. Allez, premier bon point pour Yasmine, c'est ça? Oui. Voilà, Lily Yasmine, premier point. Allez, c'est parti. Deuxième question, Samia. Question suivante. Laquelle de ces personnes n'a pas à jeûner et peut le rattraper plus tard? A, un fermier. B, un athlète. C, un voyageur. D, un docteur. Oh, c'est facile, ça. Ça, c'est cadeau. Ouais. Alors, même bien, laquelle de ces personnes n'a pas à jeûner et peut le rattraper plus tard? A, un fermier. B, un athlète. C, un voyageur. D, un docteur. Amina nous dit voyageur. Ouais. Bonne réponse. La première. Ah non, il y a Lily. C'est qui la première? Très bien.
Non, non, c'est qui la première? Donc, est la première. Troisième question. Désolé, Amina. Troisième question. C'est Lily qui a répondu la première, en fait. C'est Lily ou Lily, d'accord. Okay. Non, non, c'est Lily pour les deux. Ouais. Okay. Ah, c'est Lily pour les deux, en fait. Troisième question. Allez, au taquet, Lily. Durant quel mois du calendrier musulman le Coran fut-il révélé? Oh, c'est cadeau, ça. Allez, Lily, vite. Allez. Alors. Durant quel mois du calendrier musulman le Coran fut-il révélé? C'est la troisième question. Troisième question dans ce quiz du Ramadan avec un cadeau à la clé. Vite, il faut être réactif sur Facebook, France Magrab 2, sur Christophe Le Grand Forum. Amine, il nous dit Ramadan. C'est Amina qui a répondu la première, donc c'est le Ramadan. Très bien, c'est le mois de Amina. Ramadan. Donc, alors, comment ça se passe là, Samia? Pour l'instant, Lily a deux bonnes réponses. Ah, d'accord, ok. Okay. Je note, je suis en train de noter. Laissez-moi faire. Je gère. Quatrième question, Samia. Des tableaux. Vas-y, Samia. Quatrième question. Allez, restons sérieux. Bien sûr. Lorsque l'on jeûne, nos yeux jeûnent également. Ah oui. Qu'est-ce que le jeûne des yeux? Que signifie donc le jeûne des yeux? Alors là. Celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette question, ça vient chier. C'est pas une question philosophique. Hein. Ouais, c'est le jeûne des yeux maintenant. Les yeux jeûnent. Que signifie le. Oui, lorsqu'on jeûne, nos yeux jeûnent également. Qu'est-ce que le jeûne? Baissez le regard. Baissez le regard. Très bien, Kamsou. Donc, Kamsou a répondu. Donc, le jeûne des yeux est égal. Bravo. Lily Yasmine a bien répondu également. Ne pas regarder de mauvaises choses. Alors, attends, parce que je vois pas la même chose que toi. Comment moi, ça la moi, première à avoir bien répondu à la question. C'est Amina pour moi. C'est Amina. Oui, c'est Amina. Amina, d'accord. Et Amina qui a deux bonnes réponses, si je ne m'abuse. Deux bonnes réponses. Amina, Lily. Donc, Lily et Amina qui peuvent. En fait, alors ce qu'on va faire, puisqu'il reste une question, c'est soit Lily ou Amina qui répondra à la première qui aura gagné. On est d'accord? Tout à fait. Ouais, d'accord. Ça se joue entre Lily et Amina. Amina, voilà. Attention. Alors, dernière question. Cinquième et dernière question. Soyez concentrés, les filles. Question culinaire du mois de Ramadan. Bah, c'est pour vous, quel mesdames. Quel est l'ingrédient phare de la harira? L'eau, évidemment. Question posée par une Marocaine. Ouais, en plus. Allez. Mais Céline, pourquoi tu as dévoilé ça? Il ne fallait pas. Quel est l'ingrédient phare? Tomate, Kamsou, Mais non, c'est pas tomate, mais non. Alors, pas du tout. Je vais donner une précision. C'est un ingrédient qu'on ne met pas dans la shorba. Bah oui. Alors, Lily, Amina, là, dépêchez-vous. Kamsou a dit pois chiche. Lily a dit pois chiche. Lily a dit en premier pois chiche. Il y a quelqu'un qui a marqué la date quand même. Donc, ce n'est pas pois chiche. C'est pas pois chiche, désolé. Vite. Lily, Amina, c'est pas pois chiche. Il n'y a que Lily et Amina qui peuvent jouer cette question. Hein, les autres, alors, pas. Je vous donne un indice. C'est ce qui permet d'épaissir cette soupe. Ah, bien sûr. Ben, moi, je sais. Hey, t'es ouf. Oh, allez. Allez. Ah, étoile brillante. Lily, elle a dit vermicelle. Non, Lily. Personne ne fait la halala, quoi. Alors, je vais donner rendez-vous demain aux auditeurs de France Magrab Tour. Donc, j'ai une rencontre. Et on continue sur Facebook. Ça se jouait entre Lily et qui déjà? Et Amina. Amina. Voilà. Ah, bah donc c'est Lily Yasmine qui l'a dit la première. Donc, Lily. Eh bien, Lily, vous saurez ce qu'elle a gagné en vous connectant maintenant sur Facebook France Magrab 2 ou Christophe Le Grand Forum, ami auditeur de France Magrab 2 demain. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h avec le docteur Ahmed Jaballah pour parler islam. Dans un instant, l'excellent Medjahed pour la question qui fait mal à la tête. Salut tout le monde, ciao, à demain. Le Grand Forum avec Christophe Rau sur France Magrab 2. Bon, alors, qui a gagné? Rappelez-nous, et Samia. Bien, c'est Lily. Donc, Lily a trouvé l'ingrédient avant Amina. C'est l'ingrédient qui était farine. La farine, voilà. Donc, on met pas de farine dans la shorba. Soit la shorba tunisienne ou la shorba algérienne, on met pas de farine. Donc, et la farine, c'est ce qui permet de réussir cette soupe marocaine. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est la harira et pas la shorba. Est-ce que la vraie shorba est-elle? Lily, tu as gagné ce premier quiz du Ramadan. Alors, attends. Je vais ouvrir ce que Lily a gagné. Ah bon? C'est quoi? Alors, Lily, tu as gagné un aller simple pour la série.
C'est bien ou voilà, je me barre. Non. Alors, Lily, tu as gagné donc un jeu familial dont tu vas pouvoir profiter, Inch'Allah, durant ce mois de Ramadan. J'espère que les délais d'expédition seront en ta faveur. Et donc, c'est le jeu, donc, les 5 piliers de l'islam. Super. Oh, le jeu. Non, mais c'est bien, super. Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup, Samia. D'une valeur de 25 euros. Mais c'est pas le prix, on s'en fout du prix. C'est le geste. Et c'est comment, Lily, elle nous envoie... Donc, Lily, si tu peux nous envoyer donc, tes coordonnées postales donc, par message en MP donc, sur la page Christophe Le Grand Forum, s'il te plaît. Voilà, tu nous envoies en privé tes coordonnées postales pour qu'on te fasse parvenir ton cadeau offert gracieusement par Samia Chiki pour son quiz du Ramadan. Merci beaucoup, Samia. Tu savais ça? Que le jeûne des yeux, c'était Baisser le regard. Et même pour la Haïda, je savais. Moi, j'avais pas pensé à cette réponse. Je pensais que c'était la semoule d'orge. Et Amina, vraiment grande classe, Amina. Regardez ce qu'elle a marqué. Qu'est-ce qu'elle a marqué? Félicitations. Bravo. Super. Bon, ça va, Emmanuel? Est-ce que tu avais des réponses, Emmanuel? Alors, il y en avait une seule où, pour laquelle j'avais la réponse, c'était pour le voyageur qui n'est pas. Oui, bah oui, ça tout le monde avait celle-là. Ça, c'était cadeau. C'était la seule que je connaissais. Sinon, le reste, non, malheureusement. Je connaissais pas. Céline, donc, super, Céline, est-ce que tu avais des réponses? Alors, pour la farine, absolument pas. Non plus, non, mais vraiment. Hein. Ah, là, je pensais que c'était vraiment pour la plupart des voyageurs et le mois de Ramadan, oui. D'accord. Non, bravo. Ouais. Et Philippe? J'avais que le voyageur, les autres. Moi aussi, j'avais que le voyageur. Il faut être honnête hein, dans la vie, c'est important. Et non, j'avais le voyageur par déduction. Hein. Ah bon? Ah oui, non, mais à plus de 80 km pour être exact, si je ne m'abuse, Samia. C'est quoi? Ça. Tu me fais ton Edouard Philippe là. Voyageur, Edouard Philippe. À plus de 80 km de son domicile. D'accord, donc Edouard Philippe est musulman. Et il nous l'a caché. Tu es en train d'induire en erreur ceux qui nous suivent, Philippe. Et du coup, attestation ou pas, Philippe? Attestation. Bon, en tout cas, c'était une superbe émission. Vous savez que demain, on reçoit un ami de la maison. On reçoit le celui justement, il y a la belle histoire qui nous demande qui reçoit-on demain et quels seront les sujets. Alors demain, on va recevoir un ami de la maison, chroniqueur du LGF, qui est devenu maire au premier tour. Dionor excellent. Monsieur. Dionor excellent. Dionor excellent. À quelle heure on le reçoit? Comment? À quelle heure on le reçoit? 17h30. Alors pourquoi on le reçoit? Parce qu'on s'est posé la question, mais ok, c'est bien, on a été élu maire, mais vous savez que la loi, pour rentrer en fonction officiellement, il faut le conseil municipal, sauf qu'il n'y a pas eu de conseil municipal. Comment ça se passe? Dionor, t'es maire, mais tu ne peux pas agir, tu ne peux rien faire. C'est un petit peu ce qui se passe. Il nous expliquera la complexité du moment. Il est effectivement maire, élu par le peuple, mais il ne peut pas prendre ses fonctions pour l'heure parce qu'il n'y a pas eu de conseil municipal. On en saura davantage. Et ça pose des problèmes aussi au niveau des élus qui terminent un mandat, qui ont décidé de ne pas continuer et qui sont obligés de continuer parce que la nouvelle majorité n'a toujours pas été rentrée en fonction. Donc voilà toutes ces complexités du moment que nous élaborerons demain avec Dionor excellent. Il y aura Yasser Louati, il y aura Audrey Pronosti et Nasser Lajili. Et peut-être une surprise, mais je préfère pas vous le dire maintenant parce qu'on ne sait jamais avec elle. Tu vois, tu peux nous rappeler les invités de demain? Donc Dionor excellent. Dionor. Le nouveau maire de Villetaneuse, okay. Chroniqueur de VGF, s'il vous plaît, et Yasser Louati, Audrey Pronosti et Nasser Lajili, et peut-être une surprise, mais je ne préfère pas la dévoiler pour l'instant. Voilà. Attendez, trop vite. Yasser, Nasser, Audrey. Oui, c'est tout. Voilà un prénom de chez nous qui sonne bon en la France. Parce que là, j'ai eu peur à un moment donné. Hein. Ah ouais, là, j'étais à deux doigts de partir en musulmanie. Hein. Ah ouais, le grand remplacement, on va venir vous remplacer là-bas, nous, si vous continuez. Ça suffit. Hein. Là, il n'y a pas, demain, on n'a pas l'association humanitaria qui vient aussi? Ah, j'étais pas au courant. D'accord. Je sais pas au courant. Non, mais allez-y, on fait le programme en live, hein, si vous voulez. Hein. Monsieur, avec les auditeurs, si vous voulez participer. Voilà, Dawari, ça ne dit rien, Christophe? Si vous avez des sujets à suggérer. Ouais.
Non. Si, pas de problème. Bah ouais, il met des S là où il n'y en a pas et il oublie de nos invités, c'est extraordinaire. Ouais. C'est le ramadan, mon frère. Bon, ah, bah d'accord, il n'y a pas d'excuse, monsieur. Justement, justement. Machallah. Exactement, machallah. Bah oui, non, mais bah, on aura deux invités demain. C'est super. Inch'Allah. Voilà. Et puis vendredi, on a un invité aussi. Alors, comment il s'appelle, lui? Il est connu en plus, hein, c'est un historien. Attendez que je le retrouve. Philippe, aide-moi. Quoi? Philippe, je te dis, Philippe, aide-moi. Ah, Éric Zemmour. Invité vendredi. Et je ne sais pas, Éric Zemmour. On a la belle histoire qui nous dit bien vouloir, il veut bien nous suggérer des sujets. On est preneur, vas-y, vas-y. Arhaba. L'emberek. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus vendredi. Je ne sais plus. On va rechercher. Comme par hasard, tu sais, c'est au moment où tu cherches le truc, ça ne vient pas. Bon, bah vous le saurez en écoutant vendredi. Voilà, j'en voilà. On vous le dira demain. Bon, rendez-vous dans quelques minutes, les amis, sur France Maghreb 2 à la radio pour l'émission Parler Islam avec le docteur Ahmed Jaballah, ce soir, qui répondra à vos questions pour vous aider durant ce mois du Ramadan, répondre à vos interrogations, vos doutes à 19h, donc tout à l'heure. Et puis nous, on se retrouve demain à 17h, les amis. Merci beaucoup, Céline Bory. Merci beaucoup, Emmanuel Michael. Merci beaucoup, Samia, et son superbe quiz. On remet le couvert mercredi prochain avec grand plaisir. Sahaf Tolkom à tous les auditrices, auditeurs, à tous ceux qui font le ramadan. Et bien entendu, profitez bien de votre soirée. On est au sixième jour, les amis. Donc, la première décade, c'est la question qui a été posée. La miséricorde. Rahma. C'est ça. Rahma. C'est ça, tout à fait. Bon, eh bien, c'est dans cette période de la miséricorde que nous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de France Maghreb 2. Oui. Profitez bien de votre soirée, Sahaf Tolkom, mais surtout, restez chez vous. Restez chez vous et connaissez-vous. Ce soir, il y a une grosse émission, les amis. Vous savez que c'est la journée internationale de la danse. Ah oui, j'en ai entendu parler, j'ai vu passer ça quelque part. Et en parlant de danse, Philippe, il s'est offert les services des meilleurs, notamment carrément. Des meilleures danseuses orientales. Sérieusement. Yael Zarka. Alors, on vous donne rendez-vous à 22h. Vous verrez Yael Zarka, danse orientale. Vous aurez aussi Leslie, les studios Evidence dans le 91. Vous aurez aussi Léandre Tamba, qui est un prof de hip-hop et qui a dansé avec les plus grands chanteurs et chanteuses du monde. Et vous aurez le monsieur qu'on appelle El Fuego, monsieur Ronnie Gomez. Et d'ailleurs, on skie sur ce jingle. À tout à l'heure, à 22h, soyez en forme. Et à demain, 17h, pour le LGF. Bah, évidemment. Salut tout le monde, ciao. C'est bon, il y a un autre message ou pas? On peut envoyer le jingle? C'est bon. Restez chez vous, enfin, voilà quoi. Ça marche. Sahaf Tolkom. Bonne soirée.